T'es 126 migrants. Yo t'apprêlé bien fort depuis en dans un gros camion transport et c'est ça que t'es soulevé attention police nationale civile Guatemala. Yo coyote, c'est-à-dire trafiquant monde qui t'a transporté yo, abandonné yo sous route sud pays d'après un rapport la police publié. Groupe là t'es recevoir assistance humanitaire et puis après ça yo transporté yo dans abri Institut Guatemala Migration. Pita, yo te expulsé yo sous frontière côté yo te entré Guatemala. D'après Alejandra Mena, porte-parole Institut Guatemaltèque Migration, yo expulsé moun sa yo d'après loi migratoire Guatemala. Pays a coordonné opération avec autorité Honduras, qui se pays côté yo te traversé frontière. Plus passé 100 migrants, c'était haïtien. Madame Mena dit, nous jouons plus fort mounio te soti Haïti, Brésil et Chili. Mais te gen tout sa que soti Népal et Ghana qui te chancré Guatemala de façon irrégulière. Et c'est pour ça yo expulsé yo. Gen pile qui a sauté pour situation migration illégale là, bon côté Casa del Migrante, qui attendait à ce que un paquet haïtien traversait territoire guatemaltèque là, dans route pour y aller aux États-Unis. Haïr Dabroy, un analyste sous question migration, dit faut que nous commençons à réfléchir sur qui genre l'État a fait face à la migration, ça, parce que les migrants n'ont pas nécessairement vérité dans le pays. Nous. Donc, faut que la force sécurité prête attention à ce qui a passé et vini avec protocole que vous a activé et partagé avec l'Institut national migration. En plus de ça, il y a des conditions inhumaines migrants confrontés pendant le voyage là. Monsieur Dabroy dit, pendant qu'il a participé à l'activité illégale, conditions trafiquants yo offrent yo mal pour honte et contraire à tout sentiment humain. Autorité migration a confirmé te gagné 10 timounes parmi groupes yo arrêté à. Gade ça qui a passé en Haïti. Il y a un gros problème avec maladie sida. En pile dans le monde, ça a passé à entrer ici aux États-Unis. Il y a un cas de sida même tout. Déclaration ça, que l'ancien président Donald Trump a fait pour te dire que plusieurs milliers de migrants haïtiens qui ont passé à entrer ici dans le pays américain, ta cas de sida, et bien t'es fait en pile par l'empile dans la communauté haïtienne dans New York. Opinions étaient diverses. Je ne sais pas si c'est tellement sommaire que juste ça Trump dit parce que nous-mêmes haïtiens, c'est nous qui sommes responsables. Quel que soit sans l'autre monde de nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas chaque responsabilité, nous toujours prenons pause, nous pouvons fâcher tout le monde. Depuis que Haïti existe, pas chaque monde qui prend responsabilité pour tout le monde. Pour gérer la population, pour nous dire qu'on fait un pays vraiment. Donc, même pas fâcher, nous fâcher. Mais il n'y a pas qu'à arrêter comme ça pour dire qu'il y a un sida. Ce qui est diagnostic qui fait le dire, ce qui est grand, qui fait dire ça. Alors que c'est partout dans le monde, les gens qui ont des maladies, ça, qui attaquent, ce n'est pas seulement haïtien. Donc, ce que pense Haïtien qui est sida. C'est nous-mêmes qui pouvons grouper ensemble pour nous retirer ça dans l'esprit, parce que ce n'est pas possible. Je suis haïtienne, donc, you know, quelle que soit la différence, non, madame, j'aimerais me retirer un mal de Haïti. Moi, juste capable de demander aux gens qui gouvernent nous en Haïti, pour que tu fasses un genre pour le peuple haïtien suspendre la quantité d'humiliation. Comment pour les gens qui ont un paquet de gens qui attendent, pour ta camper pour dire que c'est haïtien qui porte sida? Bagay ça li dérange nous. Le on moun kanpe li di ça, nous même nan place travail, nous kote nan travail. Li son humiliation li pour nous tout. Humiliation because ou konn like yo essaye ap chèche vi mye pou tèt yo et puis pou li même li kanpe li di ça. Li vraiment pa mba kwè pa gen moun ki pa ça pa touche yo comme son haïtien la touche yo. Pour ki ça que fait Daniel Trump a essayé sou nous comme haïtien que l'a chouté, c'est parce que nous réellement vrai nous pas gain représentant. Si nous te gain représentant, nous te gain moun de nous. Donald Trump pas ta fouti parler comme ça de Haïti. Est-ce que Donald Trump capable parler comme ça de Saint-Domingue, de Cuba? Non, parce que moun sa yo bon gouvernement en place. Grand pile moun la frasé, grand pile moun k'ap bataille, grand pile moun k'ap di yon l'autre bagaille pour certaines ça. But frèm asem yo, on nous move pour pi devant. Pas quitter ça dans notre champ, dis-nous, pour bousculer nous pas derrière, pour nous penser, comme tu avais dit, que nous laissons que ça nous y est. C'est pas vrai. D'après appelé en janvier 2018, plusieurs centaines d'Haïtiens étaient pris la rue dans Manhattan. Ils ont été les Charles Barry de Donald Trump, qui était président de ça, parce que pas trop d'accord avec une première déclaration que tu fait sur Haïtien. Ton aboulem, c'est si. Pablé bay vidéo sa yon like, souterrain même, partagez la zan mou fan pour plus moun ka rive joine nous, de yon façon pour ka supporter nous. Ciao, ciao, na kwazi dans l'autre vidéo.